Bonjour. Si vous visionnez cette vidéo, c'est que l'école fréquentée par votre enfant a été désignée pour une campagne de dépistage de la COVID-19 par auto-prélèvement salivaire à domicile. Je vais donc vous guider pour la réalisation de ce prélèvement salivaire chez votre enfant à domicile. Ce guide de prélèvement est spécifique de la plateforme COVID Île-de-France de la PHP. Il est donc très important de vérifier que le kit qui est à votre disposition provient bien de la plateforme COVID Île-de-France APHP. Vous pouvez le vérifier sur les entêtes des deux feuilles qui accompagnent le kit de prélèvement. Voici à quoi ressemble le kit salivaire reçu par votre enfant à l'école. Il y a un tube vide avec un capuchon blanc. Ce tube est préétiqueté et gradué de 1 à 5 ml. Un entonnoir de couleur bleue qui se fixe sur le tube préétiqueté et facilite le recueil de la salive. Un sachet individuel avec une poche principale zippée et une poche latérale libre. Un guide de prélèvement qui détaille le déroulement de l'auto-prélèvement salivaire et les précautions à prendre. Prenez le temps de le lire et de l'expliquer à votre enfant avant de réaliser le prélèvement. Un formulaire de renseignement à remplir entièrement. Il permet d'enregistrer la demande et permet de garantir la réception des résultats. Pendant les 30 minutes qui précèdent le prélèvement, il ne faut pas boire, manger, mâcher un chewing-gum, se laver les dents ou même se rincer la bouche. Vous devez, vous-même et votre enfant, réaliser une friction des mains avec du gel hydroalcoolique. Vous commencez par dévisser le capuchon blanc du tube pré-étiqueté. Ensuite, vous vissez l'entonnoir de recueil sur ce même tube. Vous demandez à votre enfant de saliver dans sa bouche pendant environ 30 secondes. Il faut garder la bouche fermée et ne pas avaler la salive produite. Pour faciliter la salivation, votre enfant pourrait faire semblant de mâcher un aliment ou penser à quelque chose qu'il apprécie énormément. Surtout, ne pas tousser ou se racler la gorge. Il est préférable que vous teniez le tube et l'entonnoir pendant que votre enfant salive. Sans cracher, votre enfant dépose de la salive dans l'entonnoir. Il peut s'y prendre en une ou plusieurs fois. Il est important de déposer de la salive dans le tube uniquement jusqu'à la graduation 1, ni plus ni moins. Vous pouvez maintenant jeter l'entonnoir de recueil. Vous refermez le tube en vissant le capuchon blanc, tout en vous assurant que le tube est fermé hermétiquement. Vous vous assurez que le tube porte toujours l'étiquette code-barre. Ensuite, vous le mettez seul dans la poche principale du sachet. Il ne faut en aucun cas renvoyer l'entonnoir de recueil dans le sachet individuel. Vous scellez la poche principale du sachet avec la fermeture zip en vous assurant qu'il soit hermétiquement fermé. Renseignez le numéro de sécurité sociale de votre enfant. Il est indiqué sur votre attestation de droit que vous pouvez obtenir sur votre compte Amélie. Assurez-vous de bien reporter les 9 chiffres du code barre du tube. Ceci garantit le bon déroulement de l'analyse au laboratoire. Vous devez remplir tous les champs demandés sur le formulaire de renseignement fourni. Vous pliez le formulaire en deux. Ensuite, vous remettez le formulaire dans la poche latérale. Vous devez conserver l'ensemble, sachet, tube et formulaire au réfrigérateur jusqu'au lendemain où votre enfant le rapportera à l'école.